Alors l'apôtre Paul avait souligné le fait que Dieu avait répandu sur nous abondamment et il dit par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alors ce par ici, eh bien, de manière grammaticale, c'est le moyen, comment Dieu a répandu, eh bien, la richesse de sa grâce sur nous, eh bien, c'est en Jésus premièrement, hein. Souvenez-vous, la phrase commence par « en lui », c'est « en Jésus ». Par son sang que nous avons reçu abondamment selon la richesse de sa grâce, et bien par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Tout cela se fait par sagesse et intelligence. Alors évidemment, ça fait référence, ici il y a une ambiguïté qui est volontaire, ça fait référence à la sagesse de Dieu, à l'intelligence de Dieu. Souvenez-vous que quelques versets auparavant, il était question de dessein, il était question de volonté, la volonté suprême de Dieu, même avant la fondation du monde. Dieu avec sagesse, Dieu avec intelligence avait prévu le moyen du rachat, du pardon des péchés, de la manifestation de la richesse de sa grâce. Eh bien, Dieu a fait toutes ces choses par toute espèce de sagesse et d'intelligence, avec la grandeur de sa sagesse et de son intelligence. Mais ça veut dire aussi que de la même manière que Dieu qui est riche en grâce a répondu avec abondance sa grâce sur nous, eh bien de la même manière, Dieu qui est riche en sagesse et en intelligence veut répandre sur nous, eh bien sagesse et intelligence. Et l'apôtre Paul en verra, continue le verset et on va en parler demain, mais il dit que qui nous a fait connaître le mystère. Donc déjà, il va parler de cette sagesse et de cette intelligence. Il dit, voyez-vous, non seulement Dieu a agi de manière sage et intelligente, mais il veut nous amener, nous aussi, à connaître, à savoir, à comprendre la sagesse de Dieu, à devenir sage à notre tour pour comprendre les plans, les desseins de Dieu, et à devenir intelligent à notre tour pour comprendre la grandeur, l'amour, la puissance et la gloire que Dieu a manifesté en Jésus. Alors, nous ne sommes pas appelés à être fous et bêtes, mais nous sommes appelés à être sages et intelligents, comprenez par là, à comprendre eh bien, le plan, les desseins de Dieu manifestés en Jésus, concernant non seulement le rachat, mais concernant aussi le pardon des péchés, concernant aussi la grâce que Dieu veut nous donner avec abondance. Dieu veut nous remplir de grâce, il veut répandre, il a répandu avec abondance sa grâce, et de la même manière, il veut déverser sur nous toute espèce, pas seulement un peu, mais toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alors soyons sages, soyons intelligents et comprenons les plans de Dieu pour notre vie.